suis détendu parce que faut pas être trop crispé, faut avoir une certaine décontraction. Et surtout quand je suis avec Benjamin Compaoré, mon ami toujours, à deux on est plus serein, on est plus tranquille. On essaye de pas trop penser à la compétition, donc forcément on est plus apaisé que d'habitude. Non, je dirais pas une petite blessure, je dirais un petit pépin, une petite pépinette, je dirais, une petite pépite. Non, mais il n'y a rien vraiment de très alertant. La preuve, je suis là, je sais que je suis à 100% et va falloir que je le montre demain. Et dans 3 jours, c'est possible. Dans ces qualifications, c'est de ne pas prendre la qualification à la légère, c'est ça le plus difficile. Après, si je ne les prends pas à la légère, je ne me fais pas de soucis, donc il ne faut pas avoir peur. Mais il faut se méfier, c'est juste se méfier, mais il ne faut pas avoir peur. Donc je sais qu'est-ce que j'aurai à faire, mes marques sont déjà préparées, et il va falloir juste faire ce qu'il y a à faire. Benjamin Compaoré, parce que je ne l'ai jamais rencontré dans un grand championnat. Et donc ça, parce qu'il a été pris par les blessures, donc ça ne nous a jamais confronté vraiment tous les deux. Et donc maintenant qu'on aura l'occasion de se confronter, maintenant, comme je sais que c'est quelqu'un qui a un niveau assez similaire au mien, forcément, c'est lui qui peut vraiment me faire en sorte que je ne sois pas champion d'Europe. Et aussi c'est clair que dans un championnat, tout peut arriver, donc même un Haïdou ou un Ukrainien ou une surprise peut arriver pour me faire sortir, ou même moi, peut-être que je m'agirai le concours, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer avant, donc on verra comment ça va se passer. Mais je pense que si je suis en forme et que je fais des gros trucs et je perds, je pense que c'est parce que Benjamin Compaoré a sauté plus loin que moi. 1 et 2, et après on va d'abord se battre contre les autres et après on va se battre lui contre moi, ce serait l'idéal, et après maintenant, je ne vais pas vous mentir que moi aussi je veux mon titre. Hein. Je préférais, honnêtement, par rapport à moi, individuellement, je préférais qu'il soit deuxième et moi premier, comme lui préférait que je sois deuxième et lui premier. C'est normal. Mais 1 et 2, on serait déjà pas mal contents.